Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Olena Medium. Alors aujourd'hui, je vais vous faire le tirage général et sentimental pour le mois de janvier 2021 pour le signe D. Allez, on va regarder. Oui, je sais, je suis à la bourre. Eh ouais, c'est la mère au lait, elle n'a pas le temps. C'est difficile en ce moment, je vous le dis. Hein. Entre les consultations pour le signe des Sagittaires. Allez, on y va mes amis Sagittaires, signe de feu. Alors, donc, tirage sentimental avec monsieur l'oracle des miroirs, tirage à 13 cartes. Et tirage général avec monsieur le jeu 32, tirage à 15 cartes. D'accord? Allez, on y va pour vous mes amis Sagittaires. Pour ce mois de janvier, là, j'en ai pas trop, regardez-moi ça. Pour vous, ça commence plutôt pas, enfin, j'allais dire pas bien, mais non, la mère au lait, ça va pas, tu radotes. Ça commence plutôt bien, plutôt. Le 9 de cœur et 8 de carreau, donc peut-être qu'il y a un déplacement, vous allez apprendre des bonnes nouvelles et vous allez devoir vous déplacer. Donc peut-être concernant un job, une offre d'emploi, peut-être concernant une relation sentimentale, un rendez-vous galant, il y a du bonheur là, hein, pour vous, pour ce mois de janvier 2021. Donc vous mettez bien sûr, mes amis Sagittaires, à votre sauce. Ça commence plutôt pas mal. Allez, on va procéder à la coupe pour votre tirage général pour ce mois de janvier 2021. Et après, je vous ferai le sentimental. Waouh! On nous parle sur du retard. Il y a des choses qui sont bloquées, mais qui vont se débloquer sur du retard. Et ça nous parle de vous, mesdames Sagittaires, ou vous, messieurs Sagittaires, vous inversez bien évidemment. On va regarder ce que c'est. Concernant un face-à-face, concernant peut-être un poste de travail, comme je vous le disais tout à l'heure avec cette carte, ces deux cartes, hein, le 9 de cœur et le 8 de carreau, on nous parle de quelque chose de positif concernant peut-être une procédure, mais il va y avoir du face-à-face. Hein, alors peut-être que justement, vous allez devoir vous déplacer pour récupérer peut-être de l'argent concernant ce roi de pique et ce 9 de trèfle, concernant une procédure, et il y aura du face-à-face. Peut-être une situation de procédure ou d'héritage qui a été retardée, hein, d'accord? Mais on vous dit que c'est bien vous, hein, ça vous concerne vous. Donc des bonnes nouvelles concernant le professionnel, concernant de l'argent. D'accord? Peut-être une évolution professionnelle, hein? Pourquoi pas? Allez, tirage. Alors, ce n'est pas le tirage du destin, je vous fais. Hein, c'est le tirage à 15 cartes. Donc, 3 au milieu, 6 en haut et 6 en bas. OK? Allez, c'est pas le petit moukiki. Donc là, on va faire 1, 2, 3 comme ça. On va les mettre là pour que je puisse bien les prendre. Ça, on va les remettre là. En haut. Hop, 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 hop. Toi, je te veux. Toi, je te veux. Allez, hop, on va remettre tout ça dans l'ordre. Oh, on nous parle d'un roi de trèfle. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'il va nous dire, ce roi de trèfle, pour mes amis Sagittaires, hommes Sagittaires ou femmes Sagittaires, pour ce mois de janvier 2021? Allez, on va regarder d'autres decks. Donc, roi de trèfle, hein, c'est un homme. Alors, ça peut vous représenter, vous, messieurs, hein, puisque le roi de trèfle dans le jeu 32, c'est la carte du consultant. Pour vous, mesdames, vous pouvez inverser également. Vous pouvez mettre la dame de trèfle, évidemment. Mais pour vous, mesdames, ça confirmerait que c'est un homme ou vous, messieurs, une femme ou un homme avec qui vous êtes en discussion. Dans tous les cas, un homme qui a du caractère. On va regarder tout ça si c'est dans le sentimental. Waouh! Bon, ben, bingo, hein. Si vous êtes en couple, ben là, il y a le mariage. Hein. Il y a une belle rencontre en tous les cas. Si vous êtes célibataire, belle rencontre qui finira peut-être par un engagement, un mariage, paxé, etc., fiançailles, etc. Parce que quand vous avez le dame de trèfle, roi de trèfle, collé l'un à l'autre, c'est signe de bonheur. Attention, il y a de la jalousie derrière. Donc peut-être que pour certains et certaines, il va y avoir de l'amour dans l'air. Dans le niveau couple, il n'y a aucun souci. Et faites gaffe aux gens pas bons autour de vous. D'accord? Donc là, je m'arrête là. Donc là, on vous dit bien qu'il y a vraiment quelque chose de négatif. On peut y avoir, il peut y avoir aussi, là, concernant avec ce valet de pique. Donc là, il y a de la jalousie dans le couple. Mais avec ce 8 de cœur juste derrière, ça peut nous parler aussi. Faites attention que vous allez peut-être apprendre une amie, une fille, votre meilleure amie, votre sœur, qui a peut-être rencontré ou a des mauvaises fréquentations. Il va y avoir un prétendant pour elle qui va vouloir l'inviter. Il va y avoir de la colère, là. Ouais, il y a de la colère. Bon, en tous les cas, vous, sentimentalement, vous êtes protégé. Hein. Mais là, il y a quelque chose qu'il faudra... On va vous parler de quelqu'un, soit votre fille, votre meilleure amie ou votre sœur, qui a peut-être fait une rencontre, mais vous n'allez peut-être pas le sentir, vous n'allez peut-être pas... C'est comme si elle va se faire avoir. On va regarder ça. Waouh! Mes amis Sagittaires, que du bonheur. Nouveau départ, nouveau changement, nouvelle relation, réconciliation. On nous parle de projet. Peut-être aussi, vous allez peut-être apprendre un de vos fils, votre meilleur ami ou votre fils. Hein, mais si vous en avez plusieurs, peut-être un de vos fils ou meilleur ami ou votre frère va être papa. Il y a des projets de mariage, des projets de bébé. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc d'un côté, côté masculin, vous pouvez apprendre des bonnes nouvelles. Hein,
votre fils, votre meilleur ami ou votre frère. De l'autre côté, ça peut être vous, mesdames, si vous attendez d'être enceinte, mais en tous les cas, la grossesse arrive. Bien sûr, je parle pour celles et ceux qui souhaitent et désireuses d'avoir un enfant. Bien sûr, mesdames qui ont plus de la soixantaine ou même la cinquantaine. Je parle bien pour celles et ceux qui sont en âge d'avoir des enfants, d'accord ? Et qui souhaitent avoir des enfants. En tous les cas, c'est positif pour la grossesse. On parle de projet de mariage, etc., etc. Sentimental, c'est bon. Peut-être avec cet homme-là, en tous les cas, homme de caractère, femme de caractère. Ok ? C'est plutôt pas mal. Waouh ! Magnifique. Homme de cœur. Peut-être d'origine étrangère. Vous voyez, quand vous avez ça, là, vous pouvez confirmer, vous pouvez dire que le roi de carreau est un personnage d'origine soit étrangère, qui vit à l'étranger ou qui est dans une autre région. Et il y aura un face-à-face. Hein. L'as de carreau, c'est le visuel, c'est le face-à-face. Donc là, il y a vraiment, soit vous vous déplacez vers cet homme-là, il y aura des projets. Là, ça nous parle vraiment de sentimental. Hein. Waouh, regardez-moi ça, c'est confirmé. Certitude. Déplacement, grand changement, déménagement pour vous, mes amis sagittaires. Pourquoi pas acheter une maison? Pourquoi pas déménager dans une maison? Ou pourquoi pas déménager ou vivre avec cet homme-là qui a déjà une maison? Vous voyez peut-être pas trop bien les cartes en haut. Hein. Je suis désolée. On va mettre le roi de trèfle sur le côté. C'est vrai que le haut, pourtant je suis bien... Ouais. Je sais pas si vous les voyez bien, peut-être me faites comme ça, je sais pas. Ouais. On va regarder en bas. Magnifique en haut. Hein. Bon, alors en tous les cas, là, faites attention à tout ce qui est procédure, argent, il y a quelque chose qui vous tracasse. Là, quand vous avez le roi de pique, 8 de pique, faites attention aussi, mes amis sagittaires, à la santé. Donc, si vous avez un problème, et bon, confirmation avec le 9 de trèfle, ça serait plutôt côté finance. On vous dit de faire attention, peut-être aussi, vous avez peut-être mis... Dans le domaine du travail, il y a peut-être une situation de travail qui vous agace parce que vous êtes dans une période de chômage. Ça vous rend malade, vous n'êtes pas bien, ça vous bloque concernant le financier en tous les cas. Mais on va voir ce que ça donne les dernières cartes. Il y a de la joie qui va arriver pour vous pour ce mois de janvier. Donc il y a une situation, vous mesdames. Alors, soit qu'il y a une dame autour de vous, une personne seule, âgée ou divorcée, ça peut être vous, mesdames, à partir d'un certain âge, qui vous êtes inquiète concernant, vous recherchez un travail ou vous avez peut-être perdu votre travail, et ça, j'en suis désolée, ça, c'est des choses qui arrivent, hein, on peut perdre son emploi, malheureusement. Et vous allez retrouver, hein, vous allez trouver rapidement. Donc, d'un côté, s'il y a des problèmes de finances, ça fait longtemps que vous êtes en période de chômage, ou par rapport au corona, je ne sais pas, on vous a mis à la porte, ou vous êtes en chômage partiel, et puis vous vous dites que vous n'allez peut-être pas y arriver, on vous dit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Hein. Cette période-là de négatif va se consolider, va se transformer dans le positif, voyez, et on vous dit bien que c'est vous. Sinon, il y a une femme qui va vous aider autour de vous, dans le domaine financier et dans le domaine, pourquoi pas, de vous trouver un poste d'emploi. Ok, donc là, mes amis sagittaires, c'est bénéfique parce que d'un côté, vous avez le sentimental, c'est magnifique. Et côté professionnel ou financier, s'il y avait un petit souci, les choses vont s'arranger dans le temps. Je vous dis, et pour ce mois de janvier. D'accord ? On va faire les associations de cartes. J'ai quoi ? J'ai que deux as. J'ai trois rois. Donc ça, c'est magnifique. C'est le succès. 4, 3, 3 rois, c'est le porteur de bons conseils. Donc, on va vous aiguiller dans le bon chemin. Celui-là, je ne le compte pas. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas. Alors, ne me dites pas en commentaire, « Olé, il y avait 4 rois !» Non, celui-là, on ne compte jamais, ok ? Non, d'autres decks, c'est à côté, d'accord ? On est d'accord. On a quoi ? J'ai 3-10, génial, 3-10, c'est joie sur un projet, donc peut-être que vous voulez prendre la poudre d'escampette et puis de vivre avec cet homme ou cette femme, côté sentimental, on va regarder après. Ensuite, donc 4-10, 3-10, c'est la satisfaction, donc vous êtes vraiment satisfait de tout ce que vous allez entreprendre, donc ça, c'est génial. J'ai 2-7, ok, je regarde, j'ai combien de 9 ? J'en ai que 2 ? Ouais, j'ai qu'un valet, j'ai qu'une dame, j'ai qu'un 8. Ok, bon, je recouvre quoi, moi, du coup ? Avec le 8 de pique, hein ? Qu'est-ce qui vous tracasse ? Bon, là, ça serait plutôt d'ordre financier. Ouais, c'est l'argent. Donc, c'est confirmé, c'est l'argent. Ok ? On va regarder, on va recouvrir. Allez, hop, vous avez la réussite. Génial. Donc, ce n'est que passager, hein. Souci d'argent, ou peut-être que vous êtes bloqué concernant une situation, mes amis sagittaires, concernant peut-être un héritage. On avait vu tout à l'heure la procédure, et on vous dit que vous avez la réussite. Vous allez récupérer votre argent, et financièrement, ça va être mieux pour vous. Génial. Magnifique tirage pour vous, mes amis sagittaires. Allez, on va faire... Non, toi, vous en avez trop. Non. Il y en a trop. Allez, tirage sentimental pour vous, mes amis sagittaires, pour votre mois de janvier 2021. Allez, sentimental pour vous, mes amis sagittaires. Allez. Oh ! Vous allez peut-être rejoindre, oui, un ami va venir vous voir. Vous allez vous déplacer concernant un ami. Vous allez peut-être aller le voir. Peut-être quelqu'un habite loin. Pourquoi pas ? Allez, 1, 2. Donc, je vous fais le tirage à 13 cartes. Je vous lis la lecture des cartes. Enfin, je vous fais l'histoire. Hein. 3, 3, 6, 7. Et après, je décortique. Hein. 3,
5, 6, 7. Oh, on a la carte de la joie. Ça va finir par un mariage. On l'a vu tout à l'heure hein, dans le jeu 32. Il y avait dame de trèfle, roi de trèfle. Il y a quoi derrière? Ah, la personne habite peut-être, on l'avait vu avec le roi de cœur, avec le roi de carreau, peut-être que cette personne vit loin, vous voyez, elle a ses maisons, peut-être projet de déménager, en tous les cas, peut-être vous, cette personne-là a peut-être des origines étrangères ou vit carrément dans un pays étranger ou dans une autre région, vous voyez, ça confirme. Donc c'est plutôt pas mal pour vous, mes amis sagittaires. Allez, on y va, c'est parti. C'est bon, vous les voyez? C'est chiant, c'est ça, là, c'est la lumière là-haut. Hop, 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 hop. J'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12. J'en ai une en trop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, j'en ai une en trop, il fallait que je vous la prenne. Vous voyez? Quand c'est comme ça, il faut la prendre. Hein. Si vous en avez une en trop, on a quoi? Ah, ben c'est le voyage. À moins qu'elle était là, mais je ne sais plus. Mais bon, je vous le redis, il y a un déménagement, il y a un voyage. Je la mets là. Hein. Je la mets là et là. Comme ça, c'est bon. Allez, on commence. Vous êtes protégés, mes amis sagittaires. Quoi qu'il arrive, vous êtes protégés. Vous allez avoir des nouvelles. Peut-être que vous êtes dans une attente de nouvelles concernant un homme ou une femme, puisque je vous fais le tirage sentimental. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Je vous ai dit, hein, sentimentalement, c'est magnifique. Donc là, c'est génial. Vous avez des projets avec cette personne-là. Ça va être vite fait, bien fait. Hein. Je vous le dis, mes amis sagittaires. Projection, vous vous doutez, vous avez peur, vous cogitez, vous vous regardez dans la glace. Mais ça, c'est normal, on a tous des doutes. On vous dit que c'est perçu comme cette relation ou ce nouveau départ pour vous avec cette personne-là, ou que ce soit vous êtes en triangulaire autour de l'ex, etc., etc. Vous mettez bien sûr à votre sauce. On vous dit que c'est perçu comme un cadeau du ciel. On vous dit que vous avez une belle évolution, je vous l'ai dit, hein, ça va y aller. Il y a un choix quand même. Hein. Vous êtes perturbé. Un choix concernant tout ce qui est famille ou l'hérédité ou les enfants par rapport à lui, par rapport à cet homme ou cette femme. Vous inversez bien sûr, messieurs. Magnifique carte. Ouverture. Eh, franchement, argent. Ah, jalousie. Mais il y en a partout de la jalousie, bien évidemment. Eh oui, fallait bien une chute. Mais c'est pas méchant. La jalousie, tout le monde en a. Hein. Oh que oui. Oh que oui. Allez, on y va. Alors, mes amis célibataires, vous êtes protégés par rapport à cette nouvelle rencontre que vous allez faire. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Il y aura beaucoup de correspondances. Vous pouvez la rencontrer sur un site de rencontre, un site réseaux sociaux, etc., etc. Il y aura beaucoup de communication, beaucoup de textos. On vous dit que c'est l'homme ou la femme de votre vie. Il y a beaucoup d'amour. On vous dit qu'il y aura des projets. Hein, la carte des rêves. Je ne sais pas si vous voyez bien, en fait. Où est la carte ? Voilà. On vous dit qu'il y a la carte des rêves, donc c'est bon. Mais vous vous posez quand même des questions, vous vous doutez, est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est pas la bonne, tellement que c'est trop beau, voilà, parce que c'est perçu comme un cadeau du ciel. On vous dit qu'il y a une belle évolution, on vous dit que grâce à cette évolution, il y a un choix à faire, on vous dit peut-être que cet homme ou cette femme que vous allez rencontrer a peut-être déjà des enfants, a déjà peut-être créé sa famille, mais on vous dit que là, pour résumer, il n'y aura pas de problème d'argent, il y a une belle ouverture avec cet homme ou cette femme, mais attention, le point de chute, c'est la jalousie. Et comme je vous ai dit, la jalousie, on s'en fout. Quand on est heureux, bah, c'est sûr que ça pose problème. Mais vous êtes protégé, elle est en dominance. Ensuite, pour celles et ceux, pareillement, qui viennent de rencontrer quelqu'un, on vous dit que vous êtes protégé, votre relation est protégée, vous ne manquerez pas d'argent, même si vous vous posez beaucoup de questions, peut-être par rapport à, parce qu'il a peut-être déjà des enfants, mais on vous dit que c'est l'homme ou la femme de votre vie, il y aura beaucoup de communication, peut-être que vous l'avez rencontré, cet homme-là, sur les réseaux sociaux, donc peut-être que c'est pour ça le doute, vous vous dites, ça se trouve, il parle avec d'autres, mais je vous dis que non, vous avez un magnifique tirage, mes amis sagittaires, on vous dit que c'est bien l'homme ou la femme de votre vie, il y a de l'amour, il y a de la jalousie autour de vous, mais on s'en fout, il y a une belle évolution, une ouverture, que demander de plus? Moi, je vous dis, les projets vont se réaliser, peut-être projet de déménager, et il y a de la joie, hein, ça peut finir par un mariage. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en couple et que tout va bien, on vous dit que votre relation est protégée, on vous dit qu'il y a une belle ouverture, de toute façon, tout est bon. Peut-être qu'il y a eu, peut-être vous, mais là, j'ai pas de problématique, peut-être qu'il y avait eu un petit souci d'argent, peut-être vous êtes, peut-être vous, mes amis sagittaires, anxieuses de manquer de l'argent, on vous dit que non, puisqu'on a la carte quand même de la projection. Moi, pour moi, il n'y a aucun souci. Mais tellement que vous êtes heureux et unis dans votre couple, il y a de la jalousie. Hein. Ça peut être de la jalousie dans la famille, autour de vous, amicalement. Mais on vous dit que là, il y a de la joie, que du bonheur. Franchement, je ne peux pas aller plus loin, puisque c'est que magnifique. Ensuite, pour celles et ceux, par contre, qui sont en couple, on vous dit que vous avez l'intention de divorcer. On vous dit que vous pouvez divorcer tranquillou. Hein. Attention, il y aura la seule carte de négative. On dit qu'il y aura de la jalousie. Alors peut-être que vous divorcez parce que vous avez rencontré quelqu'un. En tous les cas, vous serez protégé. Vous récupérerez bien de l'argent, vos biens que vous avez mis en commun. En tous les cas, tout est bon pour vous. Faites attention à la jalousie. On peut peut-être vous juger parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi vous vous séparez. Mais
comme je dis, on s'en fout. Ensuite, pour celles et ceux qui sont en triangulaire, on vous dit que votre amour est protégé, on vous dit que cet homme ou cette femme qui est en triangulaire vous aime, vous adore, vous keep, vous love. Et on vous dit, faites attention, par contre, il y aura de la jalousie quand ils vont apprendre que vous serez vraiment définitivement ensemble. On vous dit que ça finira par un mariage, il y en a qui ne vont pas comprendre, peut-être des amis, la jalousie, c'est général, hein, d'accord, soit amical, familial, peu importe, peut-être les enfants, on s'en fout. Allez, ensuite, on finit par le retour de l'ex. Et ben, on vous dit que ben, la personne vous aime toujours, la personne reviendra, on voit qu'il y a l'homme ou la femme, il y aura une belle évolution, il y aura la protection de votre relation, de ce retour de cet ex. Peut-être que vous avez déjà eu des enfants avec lui ou avec elle, en tous les cas, il y aura une famille qui sera recréée. On nous parle de jalousie, hein, donc faites gaffe. Peut-être qu'au moment de la séparation, il y avait eu des soucis d'argent, mais là, il n'y en aura pas. Là, vous repartez sur bonne base avec cette personne-là. Et il y a une belle évolution, une ouverture, un nouveau départ, on ouvre cette porte et hop, même si vous vous cogitez, peut-être que vous vous dites... Peut-être que justement il revient, mais il va repartir de plus belle. Mais on vous dit non, il y a la jalousie là. Donc faites attention quand la personne reviendra vers vous. Peut-être que votre famille, vos enfants, ou peu importe, seront jaloux, vont pas comprendre pourquoi vous vous remettez avec cette personne-là. Ok ? Mais comme je dis, on s'en fout. Voilà les, mes amis Sagittaires. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve donc le mois prochain. Vous voyez, quand c'est tout bénef, hein, quand c'est fluide comme ça, ben, ça va plus vite. Je vous fais plein de gros bisous. On se retrouve le mois prochain, donc le mois de février 2021. Je vous embrasse. Je vous aime très très fort, je vous kiffe, je vous love, je vous adore mes amis Sagittaires et on se retrouve le mois prochain. Ciao ciao, prenez bien soin de vous et faites bien attention. Ciao ciao, bye bye.